Ah, ça, là, on l'avait pas vu venir. Mais est-ce qu'on va voir venir le dépassement de Magnussen sur Bourmaster? On le verra pas. Là, a priori, il y a trop d'écart. Ça va être un petit peu difficile. Là, ça serait carrément suicide. En revanche, il est allé jusqu'au bout. Et il l'a touché. Il l'a touché. Du coup, ils vont être côte à côte sur les rails. Attention, Bourmaster qui l'emmène dans le mur. Attention, je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Ça se termine. Ah, le crash. Ah, terrible. L'accident de Magnussen. Ça se termine mal. Et là. Ah, c'est dommage. Oh là là là, ça va faire jaser là. Ouais. D'ailleurs, quel gros crash. J'espère que énorme. Magnussen. Ouais, mais surtout qu'il n'a rien. De face. Qu'il n'a rien parce qu'il a tapé de face. Oh, on risque de s'expliquer après course. Là, eh bien, c'est ce qu'on craignait, ce qu'on voulait pas qu'il arrive et ce qu'on pensait qu'il n'allait pas arriver. Mais si, hélas, ça s'est mal terminé. Ah oui, on va revoir l'image certainement. En tout cas, Gilles Deferrand, lui, devant, a su résister à Fernandez. Il a su aller jusqu'au bout de son émotion, de sa motivation, de sa force physique peut-être, je sais pas. Il nous dira, mais ça n'a pas dû être facile forcément aussi sa fin de course. Non, mais il l'a fait, il l'a gagné. Alors revoyons ça. Il y a déjà là il part de loin son freinage. Hein. Il vient terminer son freinage sur la Porsche qui est déséquilibrée. Et donc il y a moyen effectivement de se relancer. Mais regardez comme Bourmaster là, c'est un rugueux Bourmaster. Il est passé je pense à un moment donné. Et il était passé. Ouais. Je pense que Magnussen est passé, mais du coup partant de face dans le mur. Ah oui non là effectivement ça peut quand même gâcher la fête. Voilà regardez. Oh là 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 là. Et la caméra est bien placée. Hein. On est aux premières loges. Mais ça vient effectivement jeter un froid sur cette fin de course, incontestablement. Hein,